tous, c'est Vince, on se retrouve comme promis, je vous avais parlé de laisser d'une autre box, donc voilà, encore une nouvelle box. La Smoke X-Pro M50, voilà. Cette box m'a été prêtée par Vape Experience, merci encore. Voilà, donc voilà, la Smoke vous arrive dans une boîte cartonnée, plutôt correcte, voilà. Puisqu'on est sur une box, donc on va annoncer le prix tout de suite. À 66€ à peu près. 66,90 pour être exact. Donc voilà, donc on trouve les différentes coloris qu'on peut trouver pour cette box. Voilà. Un petit QR code. Derrière, on a quelques informations sur la box. Donc dedans, une petite mousse qui, bah, voilà, qui contient la box. Voilà. Mais il y a des petites choses cachées en dessous. Donc, petit sachet de vis pour le bottom cap, puisqu'il y en a 4, et en fait, on nous en met 4 autres au cas où. Sympa. Une notice. En notice, voilà. Assez détaillée, ma foi, mais pas de chance. Hop, c'est mieux si je vous la montre. Voilà, pas de chance, c'est en anglais. Enfin, pas de chance, c'est toujours mieux que rien, mais voilà, elle est en anglais. Un petit carton d'avertissement. Alors, attention, ne pas changer trop fréquemment la batterie. Sinon, on risque que... je sais pas trop. Enfin, bon, grosso modo, faut pas la batterie une fois qu'on l'a. C'est une 18650. Ce qu'ils ont l'air de dire, on l'a mis en place et après, on se sert du port USB. On évite de trop l'enlever, la remettre. Et bien sûr, utiliser des batteries supportant des ampérages supérieurs à 16 ampères. Voilà. Un câble USB, un adaptateur Ego, voilà. Et puis aussi une clé Allen justement pour visser ces petites vis. Voilà. Donc la box en elle-même. Donc j'ai triché parce que bon, voilà, j'ai déjà retiré les vis du bottom cap, mais bon, voilà. Elle se montre comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez compacte. Voilà. Je retirerai le bottom cap parce que bien. Voilà. Donc c'est pas très grand. Ça fait 22 mm d'épaisseur sur 38 de longueur, enfin de largeur, et enfin 85 de hauteur. Donc une box quand même compacte. Elle va prendre les atomiseurs de, enfin les résistances de 0,2 à 4 ohms, ce qui est pas mal. C'est une grande échelle quand même. Elle peut monter à 50 watts, sachant que je crois qu'elle est déjà upgradable à 65. Et puis c'est à peu près tout qu'on trouve comme information sur la truc. C'est Vaplis bien sûr. Alors cette petite box, donc parce que oui, elle est relativement petite. Voilà, c'est son, je dirais, un de ses grands atouts. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a un autre petit qui est simple. Donc voilà, on a une box qui se veut très classique, plus moins. Bouton Fire. Bon, ça bouge un peu, c'est pas hyper ajusté, mais ça va encore. On a vu pire. Le petit écran que vous verrez tout à l'heure, quand il y aura un accu dedans. Donc ici, donc le pin sur ressort. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà. Quand on entend. Voilà, le pin est sur ressort. Bah, bon plan. Bon, une petite rigole tout autour pour faire passer l'airflow. Le revêtement, c'est un revêtement, c'est de l'alu, enfin c'est un alliage aluminium zinc. Le revêtement l'aluminium est sablé, anodisé en mat, donc bah, on n'a pas de traces de doigts, c'est plutôt sympa, c'est plutôt réussi. Le look, bah, je l'aime bien, moi, perso, c'est, disons, contrairement à l'estique que je trouve un petit peu féminine du fait de ses rondeurs et ça, là on a quelque chose de plus masculin. Voilà. Donc, on va continuer à faire le tour de la bête. Donc des trous d'aération, le port USB. Voilà. Nickel. Sur le côté, vous voyez, une petite partie rainurée là. Ouais, donc, franchement, c'est propre. Hein. C'est très propre. C'est pas désagréable en main. Alors, voilà. Donc on va retirer, j'ai retiré les vis d'avance, hein. Je vais y remettre après. Voilà le bottom cap. Donc on va passer à la chose qui va peut-être déplaire à certains.
J'en suis quasiment sûr. Donc voilà l'intérieur. Voilà. C'est propre, mais voilà. Le circuit imprimé du chipset, bah, est pas du tout encapsulé. Donc on le voit d'un bout à l'autre. Voilà, hein, il n'est pas du tout encapsulé. Voilà. Alors vous allez voir à peu près. Tac, tac, hop, voilà. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais je sais que certains, au vu des polémiques qu'il y avait eu sur certains modes électro qui, où les gars n'encapsulaient pas justement le chipset, où c'était protégé par un simple bout de carton, ça rappellera sans doute des choses à certaines personnes. Enfin bon, là il n'est pas protégé. Moi personnellement, ça ne me gêne pas, surtout que bon, la queue est quand même bien calée. Là ici, il y a un petit bateau de chaque côté qui va empêcher la queue bien sûr de se balader. Donc dedans. Bon, on va lui mettre un accu quand même, hein, c'est le but. Donc voilà, mettre une petite efface, hein. Donc le plus vers le bas. Donc elle est protégée contre la version de pôle de toute façon. Elle est protégée aussi contre les courts-circuits. Donc voilà, on met l'accu dedans. On pose. Alors ça c'est un peu délicat parce que voilà, on se retrouve avec ça. Faut le tenir. Et il faut remettre les vis. Là je vais en mettre que 2 sur 4. Hein, mais il y a ce qu'il faut hein, pour les mettre les 4. Hein. Là c'est simplement pour gagner du temps. Parce que bon, voilà. Hein. Pas vous faire profiter de ma dextérité extraordinaire pour remettre des vis. Bien sûr, vous comprendrez que c'est de l'humour. Là, je galère, comme par hasard. Allez, s'il te plaît, mets-toi bien. On va prendre la clé Allen. Voilà, il faut que c'est mis. Alors. Donc, on referme. Voilà. Ferme ça, hop, on essaye, tant bien que mal. Donc ça, bon, c'est pas top pratique. Je dois reconnaître ce système. Bon, maintenant, après, si on les écoute, de toute façon, vous ne le ferez pas tous les jours, puisqu'une fois que vous aurez mis votre 18650, théoriquement, vous allez. Vous allez arrêter de changer de batterie, quoi, hein. Enfin, grosso modo. Vous engage bien à ne pas sortir la batterie pour la charger, mais bien à vous servir du câble qui fournit avec. Donc elle fonctionne, tiens pour info, elle fonctionne aussi en passe-trou. Voilà, ils disent que vous pouvez vous en servir pendant que vous la chargez. Même si on a vu sur certaines box qui sont censées le faire, que a priori l'électronique n'aimait pas toujours ça. Mais bon, théorie, on peut le faire. Donc, faut le dire. Là, je change un petit peu mon bazar. Donc voilà la bête. Donc voici l'écran allumé. Vous reconnaîtrez sans mal la disposition habituelle de ce type d'écran en long, c'est-à-dire le wattage, la résistance en ohm, le courant instantané de sortie et la charge de la batterie. Rien de bien neuf. Un bouton reset qui se situe, je sais pas si on va le voir parce que là, noir. Enfin, entre les boutons plus. Et hop, je vais essayer de faire quelque chose, mais c'est pas dit qu'on y arrive. Voilà, c'est comme ça. Entre le bouton plus et moins, vous avez un petit trou reset. Voilà. C'est au cas où ça déconnerait, en fait. Hein. Voilà. Tac. Ah oui, là c'est mieux. Donc bouton fire plus moins, bah, voilà, comme je vous ai dit, hein, voilà, ça bouge un peu. Donc qu'est-ce qu'on a comme fonction? Donc on va appuyer, donc vous voyez là elle est éteinte, voilà, elle se met en veille, 1, 2, 3. Voilà, là on est dans le menu. Donc 1 c'est le menu, 2 c'est pour l'éteindre. Un menu, pourquoi y a-t-il un menu? Alors, on recommence. Donc le 1. 2, 1, voilà, on attend, voilà. Donc, Make Mode, voilà le truc, ou Wattage Mode. Cette box vous permet de passer aussi en fonction méca. Voilà. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, on va mettre un petit tâteau dessus. Donc, elle va aller, donc, hein, voilà, je vais vous montrer quand même, hein, mais ça n'a pas de grand intérêt. Donc, pas de 0,1 en 0,1. Voilà, tac, et inversement de l'autre côté. Hein. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, mais c'est
De toute façon, voilà, c'est des systèmes qu'on commence à connaître. Bon, rien de nouveau là-dessus. Donc, par contre, ce système de méca ou électro, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Sur une box, voilà, à ce prix-là, je pense que c'est une des premières à le proposer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vaplis, évidemment. Je ne connais pas, j'ai pas trouvé le nom du chipset. Voilà, il ne le précise pas. Voilà. Maintenant, ça fonctionne très bien. Là, je suis à 25 watts pour une résistance à. Alors, il la mesure à 0,3, je sais qu'elle fait 0,38 en fait. Ça fonctionne très bien. Donc là, je suis en wattage mode, donc 25. Quand vous appuyez, bah, il fait fire. Alors, j'essaie d'avoir une mise au point et il vous indique. Voilà, le voltage instantané. Donc là, pour indication, 3,1. Formidable. Donc, je vais repasser en make mode. Donc là, make mode, voilà. Donc là, je suis en. Donc là, il n'indique plus rien en make mode. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, il n'indique plus rien. Tout est à zéro à part la balance de ma résistance. Et quand j'appuie. Et il me dit combien il envoie de volts et à combien ça correspond en watts. Ça, c'est pas mal par contre. Je suis en méca, mais je sais quand même à combien. Donc là, je suis à 30 watts, forcément, hein, puisque la batterie est assez pleine. Ça marche super bien. Ça, c'est vraiment le bon plan, le côté méca, wattage, variable, ça me plaît bien. Sinon, bah, la prise en main est bonne, hein, vous voyez. C'est discret. Ça va. Donc après, la dernière fonction, donc. Une, deux, trois. Donc je vais passer. Une, deux, trois, j'ai dit. Voilà. Donc là, le 2. Off, on, off. Voilà, pour l'éteindre. Après. 1, 2, 3, 4, 5. Je la lock. Là. Je peux appuyer partout. On peut la ranger dans la poche. Elle est lockée. De plus, vous pourrez voir que les boutons, même quand elle n'est pas lockée, voyez, ils sont dans une rainure. Donc en fait, théoriquement, cette rainure a pour objectif aussi qu'on ne puisse pas faire de fire comme ça n'importe quand. Ben voilà. Donc on a fait le tour de cette sympathique box. Donc vous voyez le port USB, je vous l'ai vu, hein, bon, c'est un port USB micro. Voilà, il a l'air d'être mis en place, ça va. Cette box, je la trouve plutôt sympa. C'est une bonne alternative éventuellement à ce qu'on trouve le plus maintenant, les sticks 30 watts, bientôt 50, je crois. Enfin voilà, je trouve qu'il est pas mal. Voilà, bon, pour moi, légèrement plus masculin. Ça marche super bien. La gestion de la pile, bah, je dirais, voilà, hein, il n'y a pas de surprise, hein, ça va dépendre de votre ado, ça va dépendre de la puissance à laquelle vous appuyez, machin. Ah si, il y a un autre truc, donc la durée puff maxi, c'est 12 secondes. Voilà. Pas mal, on dépasse un peu les secondes habituelles. Là, on va jusqu'à 12. Marche très bien. Voici, voilou. Donc 66,90. Je trouve que bon, c'est pas excessif. La qualité a l'air bonne. Bon, à part, mis à part donc cette partie qui plaira pas, le fait que le chipset ne soit pas encapsulé. C'est sûr, ça va pas plaire. Ça, je le sais. Je pense que ça va déplaire à certains. Maintenant, pour ceux qui s'en fichent, parce que a priori, malgré tout, moi, voilà, hein, je chauffe pas. J'ai pas eu de comportement complètement fou du chipset, donc enfin non, j'ai pas eu de comportement fou du tout. Hein, voilà, il se comporte bien. Non, non, c'est plutôt sympa pour une petite machine de cette taille-là, surtout sachant que donc elle est upgradable à 65 watts. Puisque vous la trouvez aussi en 65 watts qui sort directement. Voilà.
Bon, bah, c'est à peu près tout. On a fait le tour, j'ai rien d'autre à rajouter, je pense. Parce que bon, je ne voulais pas vous présenter le fait qu'on puisse mettre un ego. Hein, bon. Même si pour moi, je trouve que bon, c'est pas, enfin, moi, c'est bien, quoi, j'ai l'accessoire, ça peut toujours servir. Maintenant, très peu d'atouts qui tournent avec un. Je ne plus beaucoup de choses en ego. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bonne vape. On se retrouve sur ma chaîne, Vincent Vapé, sur le site du Vapelier, bien sûr, pour mes articles. Et on se retrouve très très bientôt pour faire un tour autour d'un kit débutant qui sera l'Ego One. Voilà. Allez, ciao!